tout est prêt, Bluey? Non, pas encore. C'est un restaurant de poissons frites. Mais on n'a plus de poissons. Alors, c'est juste des frites. Très bien. Tâche d'être patiente. Ah, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Oh, désolée, Coco. Mais dites-moi, il y a vraiment beaucoup de monde ici. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être devoir déménager, bientôt. Est-ce que vous saviez qu'un restaurant de poissons frites vient d'ouvrir juste à côté? Tu as entendu ça, Roderick? On devrait aller jeter un œil. Ça, c'est du solide. J'ai bâti une maison. Il va y avoir une pièce du bas et aussi une pièce du haut. Formidable! Je crois bien qu'Indy cherche un endroit où habiter. Et les terriers ont encore construit un fort. On est des Romains! C'est ce que je vois. Votre mission ici est de protéger le royaume. Oui, Calypso! Je compte sur vous. Vous avez besoin de protection? Pas pour l'instant, merci. Ah! Calypso, est-ce que je peux avoir un lutin maintenant? Non, eh bien, allons voir. J'ai fait une chambre où il pourra dormir. Fantastique! Mais il va aussi lui falloir une forêt pour ses promenades du matin. Oh, oui! Tu es une drôle de petite coquine, mais tu es tellement adorable. Salut, Bluey! Salut! Oh, je vois que tu as vraiment beaucoup de clients. Ça, oui. Et je suis vraiment très occupée. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dois déménager. Oh, tu vas aller où? J'en sais rien. Salut, Indy! Est-ce que tu veux habiter dans ma maison? Oui! Si tu veux, tu peux louer la pièce du haut pour seulement 10 $ et tout. Chouette! Mais j'ai pas un seul dollar et tout, moi. C'est un travail qu'il te faut. Oui. Je pourrais peut-être être la serveuse de Bluey. Tu peux garder Polly? Bien sûr. Salut! Est-ce que tu veux apprendre à fabriquer une clôture, Polly?